Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome la dynastie des Junia. Donc vous avez peut-être vu, il y a quelques tours qui ont été passés. Une dizaine de minutes de jeu, donc oh, ça doit faire deux tours. N'ayez crainte, vous n'avez rien loupé d'intéressant. Hop, on va continuer cette campagne, on va continuer l'invasion de la Germanie. Donc Silingdun est tombé. Là je vais attendre avant d'aller prendre Epidamnos au cas où ils aillent prendre Navissos. Si on peut récupérer les deux, on va pas dire non. Si les Jettes veulent vraiment embêter plus nos ennemis que nous, ça on va. Qui est-on pour refuser une telle offre? Franchement. Allez, hop, un pôle recrutement ici. Ah, et le pôle emploi, comme on a dit. Impeccable. Il y avait des risques, je crois, de sécession, un truc comme ça. Au niveau de la Tarraconensis, il me semble. Ah, j'ai pas une, plus j'ai pas une troupe super balèze quoi. J'ai pas envoyé du monde. Ah oui non non. Je vais recruter à Rome des troupes, de la garde prétorienne et de la cavalerie prétorienne. Hop, à envoyer là-bas de toute urgence. Parce qu'on risque de sécession. Ils sont à moins 22, on est à 24%. C'est pas terrible. Allez, passons le tour. Ah oui. Ah, c'est vrai que les Nerviens ont des territoires qui vont vachement à l'est, mine de rien. Poulpoudéva. Ah, il leur rapporte pas mal, hein? 3900? C'est pas dégueu, hein? Ok, les jets ont bougé. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait, mais c'est pas grave. Hop, là, ils veulent pas. Ils demandent toujours de payer, c'est hors de question. Imurzis, donc les Marcomans sortent. Toute façon, avec la garde prétorienne et la cavalerie prétorienne, hein, ils vont pas me faire grand chose. Mon petit les gars. Réduit en esclave. Vage. Esclavage. On occupe. Perdu deux enfants encore. Et il n'y a plus de Marcomans, c'est parfait. Oui, on va faire de la graire ici. Hein. Ça fait toujours du bien d'avoir de la nourriture. Juste au cas où. Et Nervien. Ah, les Nerviens, ils sont vachement. Les Nerviens aussi. Ah, mon Régis, on Nervien. Je vais l'envoyer là-bas. Ah, ils sont vraiment. Attention ici. Il faudrait que j'ai. Est-ce que j'ai des troupes dans le coin que j'ai oublié? Non. Ils vont vouloir traverser le Rhin. Au cas où ils le traversent, je vais les attendre avec une petite embuscade. Ils pourront pas bouger bien loin après. Qu'est-ce que je voulais? Ça. Là, les deux, c'est vraiment pas mal. Colonia, fabricant d'armes. Et technique, atelier des ingénieurs de siège. Pour avoir des bonnes grosses balistes lourdes romaines qui tapent bien comme il faut. Ça, on aime bien. Allez, direction la capitale Nervienne. Qu'on va récupérer sans mal. Ah, ils sont vachement entraînés pour de la garnison. Purée! Oh, rang 7, oh, ils ont dû se faire taper dessus un nombre de fois ici. Ils ont dû résister. T'as quoi, je vais mener la bataille sur le champ. Ça me donne plus de 10% de perte. Je vous avoue que je trouve ça légèrement élevé, quoi, 10% de perte.
Surtout que j'ai de la baliste. Dans tous les cas, ça me fera entraîner mes balistes. Ouais, il a peut-être dû calculer en fonction des niveaux des unités. Je vais attendre. On va essayer de choper une. Voilà. Sec. Impeccable. Je me demande là en général s'ils vont pas là. Je vais mettre en double rang seulement parce que là. Non, ça fait beaucoup. Hop. Cavalerie à droite. Une petite cavalerie à gauche. Ouais, formation classique. Ne faites pas feu de suite, attendez qu'il. Attendez qu'ils se placent. Bah quoi que si, ils vont forcer le. Ils vont essayer de venir. Dans tous les cas là. Hop, on va tirer sur les bretteurs féroces. Waouh, ça c'est des tirs loupés. Alors on va forcer le feu ici. Là quand ils vont passer, je l'espère, ça devrait faire mal. Watch, tcha-tcha-tcha, ouais, ça fait très mal. Et là, on va cibler le général en priorité. Ou le tirailleur, le général, c'est bien. De toute façon, le général, il est dans les tirailleurs, là. Voilà, là, 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 c'est mal. Verica. Tu prends tarif. Attends, grand désarroi. Ils se mettent en longueur, ils ont raison. Hop, je vais passer en tortue offensive pour éviter de me prendre des jets. Super, le truc qui se planque, on sait pas trop comment. Hop, on tire la tortue offensive. Hop, on est prêt à lâcher les pilums. Là, je vais faire le tour avec une unité de cavalerie là sur ces unités de tirailleurs. Parce qu'elles peuvent faire très mal ces unités de tirailleurs. On va se méfier quand même. Hop, là, je cesse le feu. Là, il est en train de contourner avec ses unités, mais je sais pas ce qu'il va essayer de contourner. Vas-y, essaie de choper ma cavalerie plutôt. Mais bon, là, il va rien choper du tout. Là, il va essayer de, hop, d'intercepter une de mes cavaleries. Bah, je vais le flanquer. Il va pas aimer la blague. Hop, là, il se prend une charge, déjà, de face. Là, il se reprend une charge de côté. Là, il a pas aimé la blague. Voilà. Ici, les bretteurs féroces. Ils vont rien faire. Là-bas, ma cavalerie, elle va réussir un jour à les rattraper, je suppose. Hop, là, je cesse le feu à volonté, histoire de pas avoir de tir allié si jamais on se rapproche trop. Ok, et là, il reste normalement ces unités navales qui sont je ne sais où. Je vais m'en rapprocher avec ma cavalerie, hein, histoire de me donner la vision. Hop. Je sais pas si je peux mettre feu à volonté là. Non, je vais pas le mettre au cas où. Au cas où j'ai genre une petite unité fuyarde d'ennemis qui traîne par là et ma cavalerie elle passe dessus et qu'elle se prenne un gros caillou. Ok, ouais, ils viennent de. Oh, il y a Bambi. Oh, regardez-moi les Bambis. Envoyez des cailloux. Non, pardon, c'est pas ça. Donc ils viennent de débarquer leurs troupes là et devraient arriver dans le coin, je suppose. Juste attendre un peu. Ah d'accord. Ah bah elles ont fui avant de venir. D'accord, très bien. Bon, j'avais prévu 10% de perte, donc à peu près 300. 78.
trouve ça beaucoup plus raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et encore, j'y étais un peu barbare. Allez, on occupe sa capitale. Agraire, hein. Vraiment faire de la bouffe. Au bout d'un moment, ça commence à devenir. Oh, il y a des cimbres. Il y a des nervures en mer, tiens. Ça tombe bien. J'ai une flotte qui ne demande qu'à être active. Alors, ok, Apuranture, c'est au. C'est au Nervien, là. Vache, ils sont allés loin, quand même. Mettre mon espion nature. On va continuer d'avancer. Et là. Oh, bah, il est tout seul. Oh, là, bah. Du jet. Oh, une seule unité, c'est vrai. Ça va pas être très problématique. Hop, mode équilibré, bon bah apparemment il reste pas grand monde. On prend Epidamnos. À votre service. Voilà, on contrôle l'Illyrie. Qu'est-ce que j'ai fait ici de la nourriture? Bah allez c'est parti. Oh il a même pas développé son port. C'est honteux. Pergamon, Pergamon, comment je m'entends? Bah Pergamon, je dois m'entendre bien avec, hein, vu que j'ai tapé sur son ennemi, pareil pour Sparte. C'est qui ça, Pergamon? Ouais. Ils ont bien reculé quand même. C'est cool. Les Icènes, j'aimerais faire du commerce avec eux. Ouais, ça passe. Icènes, pacte de non-agression. Ah, carrément, attends. Ouais, ça aurait été trop beau. Ouais, pacte de non-agression, allez. Et je leur offre. Et du Mnoni. Pacte de non-agression encore commercial, c'est parfait. C'est parfait. Ah, développer. Ça, c'est pour bientôt. Oui. Oui. Attends. Ouais, c'est agraire avec un petit peu de recrutement. Ah bah attends, si je fais du recrutement. C'est con, mais ça, ce sera un atelier. Impeccable. Ah oui. Ils sont Tarraconensis. Traité de paix, Macédoine, hors de question. Peut-être si tu deviens mon client. Et encore. Non. Parce que la Thracia, elle peut devenir une bonne zone de production industrielle. Accès militaire, Sparte. Non, s'il me demande de payer, il devrait avoir honte. Oh bah le pauvre. Oui. Un coup de main, pas de problème. Ils ont du monde là-bas. Ils ont du monde dans les montagnes. Pourquoi ils se rapprochent de chez moi? Surtout en marche forcée. Perdu une fille. Pour vrai, on est sur du développement militaire pour l'instant. Ouais. Mission accomplie, vae victis, malheureux vaincu. Nouvel objectif, 10 provinces. Bah, je crois que c'est bon pour les 10 provinces. Non? Alors, toi, t'étais en train de courir par là. Oui, t'étais en train de courir. Ouais, non, c'est cadre, hein. Quelle idée. Résolution, mode équilibré, ça va la faire. Hein.
Allez, merci d'être passé. En attente de plus d'ordre. Ah ouais? Déjà? Ah bah mince. Prêt pour vos ordres. C'était plus rapide que prévu. Voyons voir. Juste histoire de voir, mais... Oh, ils accepteraient en plus, c'est moche. Je sais pas. C'est pareil, genre... Non, je peux pas. Ah bah tiens. Ils s'aiment pas. C'est très bien, c'est l'occasion. Alors d'ailleurs, est-ce qu'ils ont traversé le Rhin ici? Ils ont traversé le Rhin, ils sont en marche forcée. Ah merde, j'ai de la perte. De la perte parce que je suis pas sur la route. Voilà. On va aller les choper en embuscade. Moins agressif, on a moins de pertes. Quelques esclaves. Là en plus, il devrait. Ah, il est peut-être résistant au froid au niveau de ses unités. Hein. Une bonne question. Allez, retourne au chaud, mon ami. Tu l'as bien mérité. Oui, à terre consacrée. Oh, quoi que tu lui fures d'homme, il en aura. Allez. Combien de tours avant la réédition? Hein? Oh, je peux la prendre là de suite. Les pertes sont modérées. Impeccable. Impeccable. Alors ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça aussi. Eh ben dis donc, ça n'a pas grand chose à garder. Et Ah mince. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien de. On va faire un Jupiter. Je crois que je vais pouvoir mettre en rame forcée hein, et aller sur Flevum parce que là, il y a du temps de déplacement. Et est-ce que j'irai pas embêter les Boyens? En vrai, ils me bloquent le passage. Hein. Bah ben oui, ils me bloquent le passage. Je peux pas aller embêter les Nerviens tranquillement à cause des Boyens. On va aller récupérer leur ville. On va leur rapporter la civilisation. Autant pour moi. Voilà. Ah. Il était planqué là, lui. Mettre en marche forcée direction Hacking pour protéger la ville au cas où, quand même. Faut pas déconner. Kassurgis, est-ce que j'ai des troupes dans le coin? Pas grand chose, hein. Ouais, eux ils sont en train de se reconstituer. Eux je peux pas les envoyer. Elle est en route, on est vachement étendu quand même. On va se méfier. Alors. De toute façon, j'ai le nombre de troupes max. Je peux pas plus. Je peux pas prendre des agents. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Ouais, bientôt. Oh la vache. Ça va coûter cher. Ils sont combien ici? Non, ils sont trop. Ce que je peux faire, c'est essayer de les attirer, eux. Cette petite embuscade, là. On va faire ça. Oula. Alors, voyons voir, faisons le tour. Istros, oh, magnifique. Oui, donne-moi de l'argent. Oh, bah attends. Istros,
que sur Gis? Non, j'ai déjà des pôles recrutement à côté. Je me disais, vu que c'est une toute petite province, peut-être faire un pôle recrutement ici. Mais il y en a déjà à côté, donc pas très intéressant. On peut pas encore, là on peut pas. Ah. C'est reparti de la nourriture, mais même. Pourquoi j'ai ça là? C'est pas intéressant. Hop là. Il arrive à Arasquilom. C'est tentant, mais non. C'est très tentant. J'ai besoin de la trace. Ah ouais, il attaque? Ah, il a pas peur? Par contre, les pertes. Pourquoi les guerriers à la lance, quelques frondeurs hein. Ont des prétoriens, hein, de la garde prétorienne en plus. Hein. Allez. On va tester la garde prétorienne, la cavalerie prétorienne. Ah, mais j'avais pas vu, regardez, il y a des alliés. Ah, je les avais pas vus. Oh, j'y vois rien. Alors, voyons voir la tronche du là. Ok, c'est celui-là. Toujours les mêmes. On vient de le prendre aux Gaulois. Ouais, ils passeront pas. Hein. Eux, ils ont pris quelques dégâts. On va les laisser en unité de soutien, de renfort au cas où. Là. Là-bas, ça va être bloqué pour eux. Hein. Et là. Même principe. Ça fait peut-être beaucoup quand même. Voilà, on va laisser double unité de soutien. Le général, par contre, non, on va pas déconner, on va le laisser là. On sait jamais. Je peux pas déployer ici? Ah bon? Ok, bon, bah on va déployer là. Hop, le plus important sera de voir d'où viennent les renforts. Histoire de... Comme d'hab. Ne pas se faire intercepter nos troupes facilement. Au moins avec le brouillard, ça va être compliqué. Quoique on verra peut-être plus facilement les drapeaux. Je sais pas. Ah là-bas. Bon, la vraie question c'est anti de la cavalerie, partisan bretteur. Noble cavalerie, ok. L'ancien vétéran. Ah, ils ont quelques bonnes troupes, hein, l'ancien vétéran. Encore l'ancien vétéran? Encore? Oh, lâche. Ok, je comprends, l'armée de renfort est plutôt badass. Alors s'en méfier. Hop, j'ai emmené ma cavalerie tout là-bas. Elle ira choper les unités de frondeurs, là. D'ailleurs. On va se mettre en tortue offensive pour éviter les projectiles de début de partie. De début de bataille. Ma cavalerie a fait le tour. Voilà, le temps que ça débouchonne. C'est comme un bon vin, faut le débouchonner avant. La cavalerie, c'est comme du bon vin, faut le débouchonner. Oh merde. Alors, là, quoique là, j'ai l'impression qu'ils vont choper, qu'ils vont essayer de choper mon général. Là. Ils vont vraiment loin. Là, ils ont clairement la portée déjà pour ces unités. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, ils ont dû essayer de choper le général. Là, ils se sont dit, ça sert à rien. Attends, je vérifie quand même que j'ai personne à ce niveau-là. C'est bon. Là, je vais pouvoir les rapprocher un peu. Là-bas, ils ont pas l'air de vouloir bouger. C'est comme la dernière fois. Hop. Tortue offensive, on la retire. On prépare les pilums. Oh, ils font le tour. Gouzi, vous êtes mignon. Vous savez que si vous laissez personne à côté de vos frondeurs, moi je vais les charger. Hein.
Mais pas de problème. Cavalerie de mêlée parée. Cavalerie avancée. On va diviser en deux. Hop. Une partie de la cavalerie. Ici et l'autre partie. Ici. Voilà. Ah, si vous voulez pas. Mais pas de problème. Hein. Hop, et même une autre partie là. Voilà. Comme ça on s'entoure bien. Je fais venir une unité ici, ça les fait fuir par l'arrière et ensuite. Je les récupère justement pendant leur fuite derrière. Avec mes autres unités de cavalerie. Même mes unités de cavalerie ont. Cavalerie en tortue. Ça me fume, ça me met bien ça. Ouvrez les lignes, commandant. Allez. Tac, je l'ai fait charger à la course. Ouais, ils chargent tous à la course sauf le sauf celui qu'il fallait. C'est quand même ballot. Là ils sont en mode nos frondeurs, ils se font défoncer. Ah oui oui bah t'inquiète pas qu'il n'y a pas que tes frondeurs qui vont se faire défoncer. Hein. Allez y réfléchir avant. Boulet, oh là là. Son général, il a déjà eu un peu de perte. Voilà, ils sont en contact. Pas de problème. Là ma cavalerie, elle a fait tout ce qu'il fallait sauf une charge. On dira c'est la cavalerie de mêlée. On va la faire traverser les unités de frondeurs. Là, il faudrait pas se prendre des projectiles. Voilà. Ces unités de lanciers, on n'en veut pas. Hop, traversez-moi le champ de bataille. Si vous voulez bien m'obéir, là, surtout, là, ça va lui faire un petit coup moral. Ils vont se rétablir, hein, vu que ma cavalerie... va pas tenir le front, mais... Mais eux, là, ils vont être obligés d'aller sur ce front-là, et s'ils y vont pas, je les retape par derrière, c'est pas un problème. Hop là, voilà, on recharge. On refait une charge plutôt. Une charge à la romaine quoi, c'est-à-dire dégueulasse. Tous de fiers romains, gloire à Rome. Hop, toi tu commences à me saouler. On va charger. Là, s'ils veulent venir faire joujou. Vous savez quoi, hop, putain, tout le monde là-dessus là. Voilà. Les hommes libres enrôlés, on va les charger. Ils ont balancé quelques munitions, rien à foutre. Hop, les frondeurs, ils ont voulu tirer. Voilà, le but c'est de les occuper à faire un peu tout, n'importe quoi. Allez, là, il faut taper de côté. Eux, ils sont en train de courir, ils vont être essoufflés avant la fin de la bataille. Ils sont confiants, eux, mais attends, mais... Mais voilà, faut les charger un coup, hein. En berne. Voilà, je préfère. Allez, frondeurs en moins, on va pouvoir s'occuper des unités corps à corps. Lui, il va vouloir lancer du projectile, je suppose. Hop, les deux là. Mettre une charge. Ils sont pas en formation. La charge devrait faire pas mal de dégâts. Impeccable. Et là, hop, on va retirer. Vu que les frondeurs ont fui, on va retirer notre cavalerie. Hop, son général, là, on va lui dire coucou. Comment vas-tu? Wow. Hop, alors, on retire. On fait remonter. Et on se replace. Un pour pouvoir passer tranquillou notre cavalerie. Là-bas ils veulent pas bouger, je sais pas pourquoi, c'est dingue. Attends, j'ai une unité à moi là-bas. C'est mon légat. Pourquoi j'ai une unité de mon légat qui est là-bas? C'est quoi la blague? J'aime pas trop ce genre de blague. Oh,
Ah bon. Ça bouchonne, comme prévu. On va étaler la formation. Non, on va lui demander de venir là. Et forcément, celui à qui on a demandé, c'était celui qui était le plus à droite. Chance. Grande fatigue, ouais, effectivement. On la laissera se reposer après. Tiens, je vais envoyer des troupes aussi là-bas. Après ma cavalerie, je vais l'envoyer là-bas. Allez, faites une petite charge. Chacun de son côté. Voilà. Il est en mode, ah, je sais pas comment me mettre. Puis bon, bah, voilà, quoi. On a une petite charge. Voilà, suivant. Ah non, pas guerrier à la lance. C'est moins drôle, ça. On va faire le tour. Là-bas ça tient, de toute façon c'est les gardes prétoriens. Tiens, tu sais quoi là? Je vais les occuper un coup, non? Si. On va les occuper tous avec de la avec ma cavalerie, avec mes prétoriens. Il veut jouer sur ma cavalerie. Et ben on va l'attendre avec les prétoriens. Regardez-moi ça. On va s'avancer là. Regardez ma cavalerie, qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais faire le tour par l'autre côté. Et là il va être en mode, oh, oh c'est ballot, tiens, et ouais, tiens, tu sais quoi toi même? Tu vas aller faire le tour par là. Au cas où ils veulent fuir, et ben on va aller. On va les intercepter. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de fuir. Quoi qu'ils sont, c'est bien des Gaulois. Hop là, coucou. Non, par contre, tu vas pas te barrer, je peux te dire. Voilà. Tu sais quoi? Toutes sauf une. Vous allez là-bas. Voilà. Et la une. Ici, tu vois là. Ma cavalerie, elle est en train d'arriver. On va lui demander de passer. Voilà, oui, très bien. Une unité très lourde. Voilà. Bon alors, t'as voulu jouer au plus con, toi? Bah tu vas perdre. En plus malin, plutôt. Enfin, plus con, t'as gagné. Hop là. Voilà, pas besoin de s'en occuper plus. Ici. Hop, on demande à ce qu'il se place comme ça. On va resserrer hein, tranquillement les taux. Voilà, de toute façon ils ont plus de général. Allez. On s'est leur dessus, je veux pas savoir. Comment ça j'ai pris de la cavalerie? Hop, alors, je retire fois volonté. Ça risquerait de me faire plus de pertes qu'autre chose. Ben, voilà. J'ai pas des troupes dans le coin, moi. Ils sont où? Elles sont où, mes troupes? Elles sont là. Bon, et si on allait à la rencontre de ceux-là, parce que bon, c'est pas que c'est embêtant, mais... Alors, on va y aller à la marche, par contre, hein. Pas déconner. Voilà. Oh. Plein de cadavres de Gaulois. Quelques-uns de Romains quand même qui traînent, hein. Quelques gardes prétoriens qui ont compris tarif. Mais sans plus. Là, tout ça, c'est beaucoup de Gaulois, quelques cavaleries. Quelques unités de cavalerie, rien de bien méchant.
Bon, là, vu qu'ils ont peur de nous, on va y aller. Oula. Ça bouchonne. Heureusement que je suis en accéléré. D'ailleurs, vous les gars, vous pouvez repartir en fin de volonté. Hop, on va se placer devant. Le but, ça sera d'être assez large. Avec sur les bords notre cavalerie. Et derrière, notre général pour donner un petit coup de boost au moral au cas où. Et tu me diras, il a que inspiration, donc c'est pas terrible. C'est toujours ça. Oh lâche, ouh, ça bouchonne. Ah oui, il y a un petit champ, là, une petite ferme. Des unités qui sont encore là-bas. Elles sont fraîches, hein, 160, elles ont aucun problème. Hein. Puis là, on les fait marcher, histoire de les reposer un peu hein, en forme, actif. À bout de souffle, hein, quand même. À bout de souffle aussi, mais tu me diras, je crois qu'ils étaient encore plus fatigués à un moment. On va attendre qu'ils aient retrouvé leur souffle. De toute façon, ils vont devoir attendre leurs copains qui sont tout là-bas. On va attendre qu'ils soient en forme. Il y a un problème apparemment sur les batailles légendaires, sur ce type de carte, ça veut pas. Hop, voilà, ça se forme. Oula. Les mecs, vous allez... Ah, regardez, ils ont bougé. À votre commandement. Ils ont bougé, j'ai l'impression qu'ils envoient pas mal de cavalerie dans le coin là-bas. Hop, on va tous bouger comme ça, mais cette fois on va les faire courir. Elle les décale sur le côté, j'aime pas trop la blague. Hop, j'ai emmené toute ma cavalerie là-bas. Mon général, je vais le faire reculer parce qu'ils vont vouloir le choper. Je sais pas ce qu'ils foutaient avec son avec leur général là. Ils ont vu. Ils ont dû voir que derrière il n'y avait plus personne. Et ils se sont dit tiens, on va aller choper le point de capture. Ils ont pas totalement compris. Ça bouchonne. Alors, ce serait bien d'être plus droit quand même. C'est quoi ça? Non, c'est. Tireur, merde. Mettez-vous en formation tortue. Voilà. Alors eux, par contre, je vais plus les faire contourner. Allez, chacun de son côté. Hop, eux, on va les choper là. Pas le laisser fuir. Là, on va les intercepter. On va les intercepter à deux. Ce qui fait que là je vais avoir deux unités tranquilles pour aller les choper. Voilà. En général il est pas bien. Ici je vais pouvoir retirer la tortue offensive.
pile à temps pour l'arrivée des partisans bretteurs. Quelques lanciers vétérans, partisans bretteurs, voilà, je leur dis d'attaquer. Sur le côté, ils vont pas aimer la balle non plus. Pour rapprocher un peu mon général. La cavalerie, elle va pas tenir. Enfin, sa cavalerie ne va pas tenir. J'aurais bien aimé la libérer pour taper les fronteurs, mais je peux pas. Quelques unités qui prennent cher. Ici. J'ai une unité de cavalerie aussi, voilà. Ma cavalerie, elle s'est débarrassée du général, et là je vais flanquer là sur le côté. Alors c'est le bois, on va arriver là-bas, et là, paf. Et je vais envoyer une cavalerie d'ailleurs qui va aller sur les frondeurs, qui m'énerve. Deux même. Allez les mecs. Putain, ouais, ça reste des lanciers quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Pourquoi ils quittent comme ça en front là? J'ai vu ça. Ils vont essayer d'intercepter ma cavalerie. Ok. Bah écoute. Et ils ont cassé leur front pour essayer d'intercepter ma cavalerie quand même. Écoute, quand on casse le front comme ça, nous on suit. Hein. Y a pas de mystère. Hein. Et ils cassent leur formation, nous on rentre avec la nôtre. Là, regardez là, là on fait un carnage. Il faut intercepter les troupes là, hop, suivant, une ici, laissez-moi voir, voilà, hop, là la cavalerie, bah oui on a pété le front, hein. Tu m'étonnes qu'on leur a défoncé, l'arrière-train pour, l'arrière-garde plutôt, vous voulez, mais, hop, la cavalerie je vais la faire sortir du corps à corps, elle a vraiment bien travaillé déjà. On va la faire aller là-bas sur les bretteurs, sur les frondeurs. Eux ils ont fui, très bien. On va aller mettre du renfort là-bas. Là vous travaillez pas les mecs, moi j'aime pas trop la blague. Prendre des tirs, des frondeurs, voilà mon moral il est en train de se... Il est en berne. Ah mais quand même. Voilà, bon bah il reste personne. On peut accélérer. Eux ils vont. Voilà, tranquillement mais sûrement se faire goumer. On continue juste histoire de récupérer. De faire quelques cadavres supplémentaires, disons. Oh, bah attendez, je vous avais pas vu, vous là. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. 78. Oh, les gars. On va pas vous laisser partir comme ça, quand même. Allez, on va se replacer, tout le monde. En un bon gros pâté. Un truc que fuir en coin. Oui, là-bas aussi. Pour la forme. Donc ça se replace. Magnifique, bon, on n'aura pas eu trop de pertes. Ils avaient dit qu'on normalement sur les prédictions c'était 60% de pertes. J'en ai plus près des 30%. Donc j'ai divisé le nombre de pertes par 2 en la jouant manuel, ça c'est bien. Donc 4800. Oula. Lui il est sur du presque 90% de pertes.
Ah, ça picote pour lui, ça picote un peu. Alors, bousy-gousy, une bêtise, hein, je t'en ai rendu compte. J'ai pas vu cela. Mais bon. Oh, quelques esclaves, c'est gentil d'amener des esclaves directement dans nos villes. Franchement, oh, j'en demandais pas tant. Hein. Quoique ça, après, c'est toujours agréable. T'énerves, hein, qu'est-ce qu'ils font, les nerveux? Ah oui. D'accord, très bien. Bah écoute, j'en demandais pas tant non plus. Ah bah écoutez les mecs, vous êtes vraiment généreux en ce moment. Dis donc, c'est Noël. Ah bah oui, peut-être avec la neige. Oh là là, tant d'esclaves. Magnifique. Alliance défensive. Oui, alors mon gars, par contre. Tu apprendras que je n'aime pas payer. Suis très avare. Non plus. Et ben voilà. Encore un autre triomphe. On aime beaucoup. Mission accomplie, tu m'étonnes. Venivici. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Oh, très bien tout ça. Bon bah on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi j'espère qu'il vous aura plu. je vous propose de me retrouver très bientôt pour la suite de nos conquêtes. D'ailleurs, il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Britannia. Ah si, ça quand même, c'est pas la porte à côté. Hein. Pas la porte à côté. Hein. Là, quelques petits soucis de revenus et là. Ouf. Ah en vrai. Égypte, hélas, Mésopotamie et Syrie. C'est peut-être le plus simple à faire, on verra, peut-être pour une victoire culturelle. Ça changerait. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, c'était Thiob. Ciao!